despair. Les amateurs de testostérone et de sang coulant à flot ont pu être ravis. Conan revient sur les écrans, l'icône emblématique de l'heroic fantasy créée par Robert Howard en 1932 et cette fois interprétée par Jason Momoa. Arnold était devenu Schwarzy dans ce même rôle, c'était en 1982. J'étais un grand fan de Frank Frazetta et de Robert Howard et je voulais vraiment jouer ce rôle. Je savais ce que je pouvais apporter au personnage et que je pouvais faire un bon travail et j'étais vraiment ravi de le jouer. C'était très enthousiasmant. Pour Conan, le légendaire guerrier cimmérien, ce qui avait commencé comme une vengeance personnelle va se muer en combat épique pour sauver Hyboria d'une puissance maléfique surnaturelle. Mais l'histoire est surtout prétexte aux scènes d'action musclées. On voulait vraiment s'épargner les blessures parce qu'il y avait beaucoup d'action. Il y avait toujours quelqu'un qui saignait quelque part. Le plus difficile, c'était de rester en bonne santé. Un gros budget pour cette production signée par un réalisateur allemand spécialiste du remake, Marcus Nispel, 90 millions de dollars et un box-office très décevant un peu partout dans le monde.